J'ai dû rêver l'ouverture de la Francine, moi. Te voilà à la dernière mode. T'as raison, un vrai épouvantail. Oh, bah tu l'as encore, cette sale bête. Faudra me lui filer un coup de fusil, cette charogne. À propos de charogne, le bombé est mort ou pas? Mais non, il est pas mort, il est malade. Alors si tu le vois, tu lui dirais que t'es une petite nièce à moi. Oui, faut que j'aille à Jalini, j'ai plus rien à mettre. Donne-moi des sous. Mais comme tu veux. Mais donne-moi ce qu'il me faut. Quand on a une femme, on la nourrit, puis on l'habille. Allez, hop. Une femme. Allez. Hey, c'est ma retraite des vieux. La retraite des jeunes, c'est encore moins gras, mon petit père. Où est mon vélo? Dis donc. Qu'est-ce que t'as fait de mon vélo? Je l'ai vendu, ton vélo. T'as vendu mon vélo? Il est rare qu'on pédale dans les cercueils. Pendant que je serai partie, tu pourras débarrasser la table et puis laver les bols. Et au lieu d'aller vider des chopines avec ton acolyte, tu tâcheras de laver par terre. On voit même plus la couleur du carrelage. Non, là, je te permets pas de me parler comme ça, parce que je t'ai quand même apporté des beaux géraniums, des beaux petits pétuniacs et... À partir de maintenant, tu m'arrangeras plus, tu me feras plus trimer. Toute une vie, j'ai lavé les draps dans la rivière, préparé le fricot. Cette villa, j'en ai rien vu du tout, elle est passée comme un éclair, sans rien. Alors, une vie perdue, ça suffit. Moi, j'ai la chance d'en avoir une deuxième sous la main. Alors, je veux m'amuser et rire et chanter. Voilà. Il faut quand même que je t'apprenne que c'est grâce à moi si t'es en vie aujourd'hui. Si j'avais pas pété, tu serais pas là. Parce que moi, quand je pète, la denrée arrive tout de suite dans sa soucoupe volante. Eh ben, t'as dû en vider des tonneaux de punard pendant que j'étais pas là. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien.